Bonjour à tous, ici Caroline et dans cette minute matière, j'avais envie de vous présenter un produit fini de la marque qui s'appelle Question. Et donc en fait, Question, ils ont travaillé avec un fournisseur qui s'appelle Bananatex. Et vous l'aurez compris, hein, Bananatex, du coup, c'est un fournisseur qui va proposer une étoffe à base de d'écorce de bananier. Alors, il faut savoir que dans la partie des bananiers, il y a deux variétés de bananiers. Vous avez les bananiers justement femelles, on va dire, qui vont donner des bananes et qui vont être utilisées dans l'industrie alimentaire. Et vous avez un autre type de bananier, c'est l'acaba, je crois. Et cet acaba, c'est une variété de bananier qui ne donne pas de bananes. Et donc cette entreprise qui est basée aux Philippines, Bananatex, utilise la seconde variété de bananes. Du coup, donc voilà, c'est pas forcément issu de l'industrie alimentaire. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans mes recherches. Mais si vous avez vu la preuve du contraire, n'hésitez pas à me tenir au courant parce que voilà, ça serait bien que je le sache. Bref, cette entreprise, donc Bananatex, travaille directement donc l'écorce des arbres. Donc comment ils font, c'est-à-dire en fait ils découpent les arbres et ensuite ils vont enlever toutes les fibres directement et ils vont travailler les fibres un peu comme toute autre fibre directement dans les écorces des arbres et ils vont réussir à les tisser. Donc là, la proposition de Question, justement, ils travaillent avec cette entreprise pour créer différents produits. Donc vous pouvez avoir, majoritairement, c'est des sacs et là, c'est une sacoche. Le patronage est zéro déchet totalement. Donc l'idée, c'est qu'ils travaillent et ils optimisent toutes les découpes pour essayer de minimiser les déchets dans les matelas, en fait, textiles. Quand vous faites un matelas textile, c'est-à-dire vous superposez plein de tissus pour le découper comme vous le souhaitez pour faire votre patronage. Donc là, ils optimisent tout. Et ensuite, Bananatex propose deux choses, donc en plus des couleurs, donc il n'y a pas toutes les couleurs que vous voulez, mais il y a quand même un panel de couleurs, je crois qu'il y en a peut-être 6. Et vous pouvez proposer, enfin vous pouvez demander la version avec ou sans après. Donc l'avantage, si vous ne mettez pas d'après, c'est que ça va être totalement biodégradable. L'inconvénient, c'est que c'est pas résistant à l'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de déperlance. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de proposer à vos clients, en tout cas de le vendre sans après, et de proposer à vos clients, s'ils veulent qu'il y ait une petite déperlance, on ne parle pas d'imperméabilité, mais s'ils veulent une petite déperlance, de mettre une sorte d'après à la cire d'abeille. D'ailleurs, Bananatex peut aussi vous aider là-dessus si vous le souhaitez.